tu as bien dormi, moi pas trop. Je viens de passer quelques heures dans l'aéroport de Saint-Pétersbourg. J'attends mon vol pour Paris qui est à 9h10. Là il est 7h. J'espère juste que ma valise sera arrivée en même temps que moi à Paris parce qu'elle est en transit. Et j'aime pas trop ça, je préfère quand je la récupère entre chaque vol parce qu'au moins je suis sûr qu'elle est dans le même vol que moi. Bien arrivé à Paris après cette courte nuit et en plus ma valise a bien suivi, elle est là. Et voilà, enfin parcours terminé, je suis bien arrivé à Strasbourg et là j'attends le crew et on va aller tout de suite faire les street shows pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Et entre temps j'ai troqué ma grosse valise bleue contre un tout petit sac. Merci au poteau Gred. J'ai retrouvé les poteaux, direction l'Autriche, street show on the road, direction Outbreak, dédicace au gars Soplo, le mec nous a reçus comme des rois. Break Europe 2018. À Bratislava juste avant le vol de demain. Petite baignade au lac mon pote. De ce petit temps de chill avant de prendre l'avion demain pour vous faire un petit retour sur Outbreak cette année. Donc moi j'étais déjà venu en 2014 et 2015 à un autre endroit, donc j'ai moins aimé l'endroit, beaucoup trop chaud dans la salle, beaucoup moins de cercles, il y avait le côté piscine qui était cool, mais j'ai pas trouvé que c'était la folie, mais voilà, ça reste pour moi l'un des meilleurs événements au monde. Si t'es b-boy il faut y participer, et puis voilà la petite cerise sur le gâteau, c'est la victoire de la France hier au Rapure Country. Big up à Anasso et Dani qui ont monté la team et qui ont fait le taf avec les danseurs présents. Donc voilà, big up à vous. Fier que la France ait gagné. J'espère qu'on pourra le refaire sur les prochaines éditions. Voilà, demain on prend l'avion avec Copter. On rentre à la maison. Peace!